haut de l'imposant château qui domine la vieille ville de Nuremberg, un paysage des plus agréables se présente à nous. D'interminables fortifications, ponctuées de solides tours en pierre, entourent celle-ci. À la vue de ces constructions en pierre massive, on ne peut s'empêcher d'imaginer la dextérité des artisans tailleurs de pierre d'autrefois. Des bâtiments aux toits rouges et à l'architecture médiévale entourent le château. Sur la place centrale se dresse une majestueuse fontaine à étages ornée de multiples figurines dorées. À l'énoncé du nom de cette ville, nous ne pensons pas à son architecture moyenâgeuse, à sa majestueuse fontaine ou à ses bâtiments aux toits rouges, mais plutôt à son importance face à l'histoire. En effet, malgré le charme de cette ville pittoresque et médiévale du nord de la Bavière, nos mémoires sont à jamais marquées par ce procès historique qui eut lieu de 1945 à 1946 au palais de justice de Nuremberg. 24 des principaux dignitaires du Troisième Reich furent jugés pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes contre la paix et pour complot. Ce procès fut intenté par les forces alliées et en premier lieu les États-Unis. Il fut placé sous l'autorité d'un tribunal militaire international instauré par les accords de Londres du 8 août 1945. Le tribunal fut composé de 4 juges, 4 procureurs et 4 assesseurs soviétiques, français, américains et britanniques. Par ce procès, suivi par plus de 400 journalistes de la presse internationale, les Alliés avaient pour but de refonder un monde sur de nouvelles valeurs opposées à celles qui ont conduit à la construction d'États totalitaires. Lors de ce procès, des noms manquaient au banc des accusés. Le chancelier du Reich, Adolf Hitler, se suicida dans son bunker. Joseph Goebbels, ministre de la propagande et chancelier du Reich pendant une courte période à la mort d'Hitler, mit fin à ses jours dans les jardins du bunker. Heinrich Himmler, qui occupa les fonctions de Reichsführer SS et ministre de l'Intérieur pendant plus d'un an, fut arrêté par les troupes britanniques pendant sa fuite, mais parvint à se suicider à l'aide d'une capsule de cyanure. Ils ne purent donc être jugés au procès de Nuremberg. Nombre de hauts dignitaires et cadres du Troisième Reich en fuite échappèrent aussi à la justice. Je vous avoue que l'envie ne me manque pas de vous raconter en détail ce procès. Mais hélas, le temps me manque cruellement et le thème de cette vidéo n'est pas ce qui a été dit ou fait lors de ce procès, mais plutôt ce qui se passa après. Mais je vous rassure, ce sera peut-être le sujet d'une de mes prochaines vidéos. À l'issue de ce procès, 24 hauts dignitaires du Troisième Reich furent jugés et condamnés. Mais deux événements se produisirent durant le procès. En effet, Robert Ley, directeur du Front allemand du travail, fut retrouvé pendu à la tuyauterie des toilettes de sa cellule avant le procès. Gustav Krupp von Bohlen an Halbach, qui était membre de la Chambre des seigneurs de Prusse, a été considéré médicalement inapte à être jugé. Hormis ces deux cas, les 22 autres hauts dignitaires purent être jugés et condamnés. L'amiral de la Kriegsmarine Karl Dönitz fut condamné à 10 ans à la prison de Spandau. Walter Funk, ministre de l'économie et président de la Reichsbank, fut condamné à l'emprisonnement à perpétuité, mais fut libéré pour raison de santé en 1957. Rudolf Hess, adjoint de Hitler et chef de la chancellerie du parti, fut condamné à la prison à vie. Constantin von Neurath, gouverneur de Bohême-Moravie et ministre des Affaires étrangères, fut condamné à une peine de 15 ans de prison. Il est libéré pour raison de santé en 1954. Heinrich Schreider, grand amiral qui fut remplacé par Karl Dönitz en 1943, se verra condamné à la prison à vie, mais fut libéré en 1955 à près de 80 ans pour raison médicale. Baldur von Schirach, Gauleiter de Vienne, fut condamné à 20 ans de prison. Albert Speer, ami proche de Hitler, fut son architecte personnel, mais durant sa carrière, il parvint à des postes de responsabilité. En effet, il fut nommé ministre de l'armement et de la production de guerre du Reich du 8 février 1943 au 23 mai 1945. Il endossa aussi le rôle de ministre de l'économie du Reich durant 21 jours, du 2 mai 1945 au 23 mai 1945. Il échappa à la peine de mort et fut condamné à 20 ans de prison. Hans Frisch, journaliste, termina sa carrière comme responsable des nouvelles au ministère de la propagande nazie, fut acquitté. Franz von Papen, vice-chancelier du 30 janvier 1933 au 7 août 1934, fut acquitté. Altmar Schacht, ministre de l'économie du Reich du 3 août 1934 au 26 novembre 1937, fut aussi acquitté. Martin Bormann succéda à Rudolf Hess comme chef de la chancellerie du parti. Son emprise à l'Obersalzberg, où était le Berghof, la maison de Hitler, fut totale. Rien ne pouvait lui échapper. Ayant fui pendant la chute de Berlin, il ne fut présent durant le procès de Nuremberg où on le condamna à mort par contumace pour crime contre l'humanité.
En 1972, des ossements seront découverts durant des travaux de voirie à Berlin. On identifia officiellement les ossements comme étant ceux de Martin Bormann. Hans Frank, député du Reichstag, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Wilhelm Frick, gouverneur de Bohême-Moravie du 24 août 1943 au 4 mai 1945 et ministre de l'Intérieur du 30 janvier 1933 au 20 août 1934, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Alfred Jodl, général Odbert de l'armée, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Ernst Kaltenbrunner, directeur du RSHA, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Wilhelm Keitel, général-feldmarschall et chef de l'Oberkommando der Wehrmacht, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich et ambassadeur d'Allemagne au Royaume-Uni, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Alfred Rosenberg, ministre du Reich au territoire occupé de l'Est, fut condamné à mort et exécuté par pendaison. Fritz Sockel, Gauleiter et ministre-président de Thuringe, fut nommé par Hitler plénipotentiaire général pour la mobilisation de la main-d'œuvre, fut condamné à mort exécuté par pendaison. Arthur Seyss-Inquart, ministre des Affaires étrangères du Reich pendant 2 jours, du 30 avril 1945 au 2 mai 1945, fut condamné à mort exécuté par pendaison. Julius Streicher, député du Reichstag et journaliste, il fonda et dirigea le journal Der Streamer, un hebdomadaire violemment antisémite. Il fut condamné à mort et exécuté par pendaison. De par son importance dans les rouages du nazisme, sa proximité avec Hitler et de son rôle joué lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hermann Wilhelm Göring fut considéré comme l'un des prisonniers et accusés les plus importants. Lors du procès de Nuremberg, il fut condamné à mort par pendaison. Göring occupa nombre de fonctions. Ministre de l'Aviation du Reich, ministre-président de Prusse, Reichsstatthalter de Prusse, président du Reichstag, ministre des Forêts, ministre de l'Économie du Reich et député du Reichstag. Hitler, Goebbels et Himmler s'étant suicidés, les Alliés étaient conscients de détenir l'un des personnages les plus puissants du Troisième Reich. Il fut donc lui aussi condamné à mort. Mais la stupéfaction de tous, l'impensable se produisit. Hermann Wilhelm Göring échappa à son exécution par pendaison et se suicida à l'aide d'une capsule de cyanure quelques heures avant la sentence. Les prisonniers bénéficiaient pourtant d'une surveillance constante. Devant chaque cellule était disposé un garde autant de jour que de nuit. Les portes des cellules étaient munies de lucarnes et ordre était donné aux gardes d'observer constamment les prisonniers. Les lumières des cellules étaient allumées en permanence et les détenus ne disposaient que de très peu d'objets personnels, objets qui étaient au préalable contrôlés et approuvés par la direction de la prison. En effet, ces objets ne devaient pas représenter une menace pour eux. Ils ne devaient pas pouvoir s'en servir pour se faire du mal ou pour mettre fin à leur jour. Les Alliés avaient pris ces dispositions de surveillance et de contrôle accru pour que les accusés ne puissent, par une mise en danger ou un suicide, échapper à leur jugement et pour certains leur exécution. Malgré toutes ces dispositions prises, Göring échappa à sa sentence. Comment a-t-il pu se procurer cette capsule de cyanure? L'avait-il depuis le début de son incarcération? A-t-il, par un procédé inconnu, réussi à dissimuler sur sa personne une capsule avant d'intégrer la prison? A-t-elle été cachée dans ses affaires personnelles et récupérée dans un second temps? Une tierce personne lui aurait-elle donné? Ces questions ont dû pendant de nombreuses années tourmenter les personnes qui avaient pour responsabilité la surveillance de Göring et qui devaient tout faire pour le maintenir en bonne forme, que ce soit sur le plan physique et mental. En effet, l'ensemble des prisonniers, pour ne pas échapper à leur jugement et sentence, étaient surveillés et suivis de près. Un psychiatre s'est même entretenu à de nombreuses reprises avec les différents chefs nazis. Toujours est-il que l'un des plus puissants dignitaires du Troisième Reich échappa à la vigilance de ses gardes et mit fin à ses jours quelques heures avant son exécution. Et par ce geste, il défia une dernière fois ses juges. Göring laissa une lettre où il affirmait avoir été en possession de cette capsule de cyanure tout au long des 11 mois du procès. Et suite à cette révélation, une enquête fut menée par l'armée américaine qui valida cette thèse, thèse qui fut contestée par de nombreux historiens. Il y a quelques années, de nouveaux éléments alimentèrent les différentes théories sur le suicide de Göring. Durant le procès, les gardiens qui avaient en charge la surveillance des prisonniers avaient la possibilité de leur parler à différentes occasions. Et d'ailleurs, une sorte de jeu, voire de compétition, était née entre gardiens. Qui allait réussir à obtenir le plus d'autographes des dirigeants nazis? Par ces échanges, somme toute très courts, certains gardiens avaient-ils noué des liens ou créé des amitiés avec certains de leurs prisonniers? C'est peut-être ce qui est arrivé au gardien d'Hermann Göring?
qui à l'époque des faits avait 19 ans et était soldat. Il qualifia Göring d'homme très plaisant, s'exprimant dans un anglais assez bon. Mais comment ce soldat qui avait la surveillance d'un des hommes les plus puissants du Reich aurait-il pu lui fournir cette capsule? L'a-t-il fait volontairement? Ou quelqu'un se serait-il servi de lui pour accomplir cet acte qui changea et marqua l'histoire? Ce soldat, après bien des années, arrivant au grand âge, raconta ce qu'il se passa. Il se serait, selon ses propres termes, fait draguer par une jeune et jolie Allemande qui lui aurait présenté deux hommes. Il lui aurait demandé de remettre à Hermann Göring des notes écrites et un stylo contenant une capsule. Ces deux hommes lui auraient ensuite raconté que l'ancien héros de la Première Guerre mondiale et le chef de la Luftwaffen était un homme très malade et qu'il avait besoin de ce médicament. Le soldat accepta pour les beaux yeux de cette jeune fille de remettre ce fameux stylo à son prisonnier. Une fois la note et la capsule remis à celui-ci, le soldat rendit le stylo à la jeune fille qui ne reverra plus jamais. Deux semaines après avoir reçu la capsule de cyanure et deux heures avant son exécution, Hermann Wilhelm Göring mit fin à ses jours. Il laissa un mot dans lequel il disait avoir été en possession de cette capsule de cyanure durant les 11 mois que dura le procès. Ce jeune soldat et gardien de Göring fut hanté par ce qu'il se passa. Il garda le silence pendant 60 ans avant de soulager sa conscience. En effet, il dit concernant la jeune fille, « Je pense qu'elle m'a utilisé. » Il dit encore, « Je n'aurais jamais accepté, en connaissance de cause, une chose dont j'aurais pu imaginer qu'elle serait utilisée pour aider quelqu'un à échapper à la potence. » Il ajouta, « Je me suis senti très mal après son suicide. J'avais un drôle de sentiment. Je ne pensais pas qu'il aurait pu, d'une quelconque manière, l'avoir caché, en parlant de la capsule, sur son corps. » Ce récit, bien sûr, suscite nombre d'interrogations. Un chercheur a dit que l'histoire de ce soldat est suffisamment incroyable pour être vraie. Il dit aussi « Personne ne sait qui l'a fait sauf la personne qui l'a fait ». Sachez que les archives militaires montrent que ce soldat a bien été gardien pendant le procès de Nuremberg. Mais il est vrai que dans certains récits, il n'est pas toujours facile d'établir la vérité, de vérifier dans l'immédiat les dires de la personne et de prouver la véracité des propos tenus. Mais ce témoignage relève nombre d'interrogations.